Matt, j'ai pas Katari au bout du fil. Il a l'air d'avoir besoin de notre aide. Hola, compadre. J'ai un problème à Ita, quoi. Bowman me dit que vous pourriez m'aider. Mes hommes ont besoin d'aide. Beaucoup ont été tués par le cartel. Les autres sont terrifiés par les atrocités de Jules et Polito. Le brasier de la révolution menace de s'éteindre. Où est-ce que tu veux? Un convoi du cartel doit bientôt traverser la province. Sa capture redonnerait non seulement des vivres, mais aussi de l'espoir à mes hommes. C'est dans vos cordes? C'est carrément dans nos cordes. On est à la botte de Pac-Katari maintenant? Il a besoin de ce convoi, ça mange pas de pain de lui filer. Plus il sera tributaire de nous, plus on pourra lui demander de l'aide en échange. Vous m'arrêtez si vous la connaissez. Alors c'est un marin qui est dans un bar? Ouais, je la connais. Rien à battre. Donc, c'est un marin qui est dans un bar. Il se penche vers le type à côté de lui et lui sort. Tu veux que je te raconte une blague sur les marines? Le type se retourne et il répond. Pour info, je fais 2 mètres. Je pèse 100 kilos et je suis un marine. Le gars à côté fait 2 mètres 10, 110 kilos et c'est aussi un marine. Et le gars encore après fait 2 mètres 15, 120 kilos et c'est encore un marine. Tu peux vraiment leur raconter ta blague? La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. 2 marines ont été blessés. Il y avait 4 personnes présentes la nuit où l'agent des stupes Ricky Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca, Ricky, et les 2 autres, c'était La Yuri et El Polito. Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis, et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Un jour, un butchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Car Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et El Polito le font parler. Ils brisent les gens. Comme je l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Sueño, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé Ricky en vie, pendant que Sueño le torturait. Non-stop, pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval et Sueño l'a exécuté.